L'empereur. Voici quelques informations à propos de l'empereur. À travers le regard et les souvenirs de son aîné, un jeune manchot se Mais prépare à non, vivre c'est pas son cet premier empereur-là. voyage. Ok, Google, l'empereur au tarot. Selon le chariot, cette carte est Mais garante de non, c'est pas le l'équilibre. chariot. L'empereur du tarot est... Mais oui, mais l'empereur, il a pas le temps pour les sentiments. Il n'y a pas que ça à faire, l'empereur, il est pas dans la fantaisie, hein. Voilà. Bonjour à tous. Aujourd'hui, la numéro 4, la carte de l'empereur, l'assise, le mari, on dit de l'impératrice, le couple parfait. On retrouve donc ce fameux aigle qu'on avait dans les cartes précédentes formé, donc concret, carte de responsabilité, toujours avec les petits mots-clés que je mettrai, hein, évidemment. Et puis on va pas s'attarder sur l'impératrice et l'empereur parce que c'est le couple vraiment actif en fait hein, au sein du tarot de Marseille. Donc on a la solidité, c'est un mot-clé qui est important dans les projets. Le sens, il y a le côté cartésien, le sens pratique de l'empereur. On pourrait se poser la question de savoir quand tu démarres battleur, est-ce que tu peux devenir empereur évidemment parce que c'est un peu le but. Le battleur, c'est l'apprentissage. Quand on a un enfant qui prend des cours, qui apprend, on le met en battleur en fait. Hein, avec sa table de travail, il est en train de préparer quelque chose. Bah, le but, c'est bien de finir empereur un jour. Et puis, c'est un peu la carte de la richesse et du fait d'être respecté dans ce monde. Voilà. Donc, c'est un personnage qui a l'air plutôt heureux, stable, satisfait. C'est plutôt carré, c'est plutôt droit quand on regarde. Il cache un petit peu ses émotions bleues là ici, voilà. Hein, puis l'énergie extérieure autour de lui. Donc c'est une carte, je dirais, de charpente en fait, dans le tarot de Marseille. C'est un personnage qui a reçu apparemment une bonne éducation au niveau du travail. On va parler du chiffre 4. Le chiffre 4, on le retrouve dans la stabilité. Alors, faut bien comprendre que si on prend l'exemple du battleur, on a la table, vous vous souvenez de la table, hein, qui est à trois pieds, donc c'est pas tout à fait stable en fait. Il y a comme une logique. Là, on se retrouve avec le mouvement 4, avec le sceptre qu'on retrouve chez l'impératrice, où il semble observer ou calculer quelque chose, comme s'il cherchait à millimétrer. C'est encore une des qualités de l'empereur. Il n'est pas dans le raffinement réellement, quoi, hein. Lui, c'est dans le côté matière brute, voilà, comme on pourrait l'appeler. Donc, un peu comme le chariot, on a le collier, on a beaucoup d'attributs synonymes de richesse sur lui, hein, voilà. Si on regarde la carte du chariot, le personnage est en mouvement. Bah, l'empereur, lui, il n'a pas besoin. Il est sur son assise, il est sur son trône, il est assis. C'est déjà réalisé. Ça, c'est plutôt intéressant sur ce personnage-là. Donc, quand vous avez cette carte dans un tirage, c'est souvent la concrétisation des choses matérielles. Voilà comment on peut le voir dans une situation. Au niveau affectif, quand on aura l'empereur, alors l'empereur renversé, c'est encore autre chose. L'empereur droit. Au niveau affectif, on aura affaire à une personne qui parfois qui peut paraître un peu rude et qui ne changera pas comme ça sa façon de penser. Elle est assez sûre d'elle et on demandera en conseil, en fait, dans un conseil, d'avoir plus le, si vous l'avez comme ça qui sort, d'avoir un sens plus pratique dans votre vie, hein, et puis que votre projet soit plutôt solide. C'est pour ça qu'on parlait de la carte du battleur quand c'est bien préparé, quand une chose a été faite méticuleusement, eh bien dans ces cas-là, en général, on finit empereur. Voilà. Sinon, empereur renversé, mais c'est encore autre chose. Hein. Il peut y avoir le chariot renversé, comme quoi il y a un élément qui a pas été tout à qui a peut-être été omis, ou etc. etc. Voilà. Point de vue de famille, la carte de l'empereur, bah, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps, l'empereur, lui. Hein. Le matin, les enfants, papa, est-ce que tu peux? L'empereur, il dit, ouais, demande à ta mère. Voilà.
Et la mère, elle dit, bon, bah, c'est l'impératrice, la mère, elle va dire, bon, bah, je te ferai un chèque pour la cantine. Voilà, ils n'ont pas le temps. Si on devait comparer avec la carte du pape, le pape, il est quand même plus posé, la papesse, elle est quand même plus posée, mais oui, mon chéri, qu'est-ce que tu veux savoir, etc., etc. Voilà, on est dans le côté très familial et voilà, c'est tandis que l'empereur et l'impératrice, c'est le côté américain, hein. Le matin, on n'a pas le temps, mangez vos cornflakes et mettez vos cahiers dans mes cartables, comme on dit. Voilà, ça serait un peu ça, ce couple-là comme ça. D'ailleurs, avec les enfants, l'empereur, le pape, lui, pour les devoirs, un enfant qui fait ses devoirs, le pape, il va s'approcher, il va les aider, il va les accompagner. L'empereur, non, il va être dans le concret, t'as pas fait tes devoirs. Comment ça se fait que t'as pas fait tes devoirs? Voilà, c'est ça. Tandis que là, avec le pape, c'est plus doux. Voilà, mais ça, vous l'aviez peut-être compris. Donc le côté, les mots-clés, alors je reviens sur les mots-clés, j'avais dit la stabilité, la prise de pouvoir, la responsabilité, c'est important, et surtout l'équilibre, hein, l'équilibre. Principe du 4 dans le tarot de Marseille et en numérologie, c'est donc la construction en fait, hein, et tout ce qui est ordre, stabilité. Hein. On retrouve, contrairement à la carte 5, on retrouve le côté terre à terre, plutôt méthodique, quoi, pour une carrière, pour pouvoir bâtir une carrière. Voilà, c'est ça la 4 en fait qui apparaît dans le tarot de Marseille. Donc on est sur une assise en fait, hein. Vous regardez le battleur c'est la table trois pieds. Hein. Là, le battleur deviendrait peut-être empereur avec le côté carré. D'ailleurs, j'ai voulu regarder un petit peu les cartes, les lames mineures, ce qu'on appelle, avec la coupe par exemple, la coupe qui marque souvent la stabilité affective. Si vous mélangez les mineurs et les majeurs, il y en a qui le font. Une espèce de stabilité affective, toujours le chiffre 4, avec la carte de l'épée, c'est les pensées, c'est toujours une carte de principe mental, la carte de l'épée, hein, donc ça peut relier au niveau de la santé, au niveau des pensées, et puis on est là avec le 4, on ne va pas parler de stabilité mentale, mais comme s'il y avait un peu de récupération, comme si on se reposait un peu, en fait, vous voyez, comme si vous traversiez la mer et puis vous tombiez sur une île pour vous permettre de vous reposer un peu. Voilà, et puis ce sera pareil avec la carte. Alors ici, là, je vous les montre. Hop, la carte, le 4 de denier qui exprime donc une forme de stabilité financière. Et puis le 4 de bâton. Là, le 4 de bâton, on est plutôt, hop, voilà. On est plutôt dans le principe masculin, mais on est dans l'action. Hein. C'est tout ce qui concerne les projets. Quand vous avez le 4 de bâton, c'est qu'il y a quelque chose d'assez de plutôt bon et optimiste pour la suite. C'est-à-dire qu'on essaie de travailler et on attend un résultat. Voilà, pour justement permettre cette stabilité, hein, avec l'empereur. Maintenant qu'on a vu là un peu de numérologie avec le 4 et puis les mots-clés de la carte de l'empereur qui est là, on va regarder les combinaisons. Alors combinaison avec la carte de l'empereur. Alors je rappelle ma méthode de tirage pour ceux qui désirent prendre des cours. On a le passé ici. On a le présent en second. On a le devenir ici, le futur là. Donc après, ces deux-là servent en progression en fait, hein, après le présent. Donc on peut les mélanger. Alors dans l'actif, dans les tirages actifs, c'est ça, la carte de l'empereur, c'est le résultat. Tandis que dans un état d'esprit, ce sont des informations en continu en fait, hein, c'est pas pareil. Alors, donc l'empereur se trouve donc à l'arrivée, dans la situation du devenir.
dans l'actif ce qu'il va être plus tard en fait dans le futur. Donc là on peut regarder dans cette combinaison là que dans le présent on retrouve donc la carte du battleur, et selon les mots-clés et les cours que l'on a pu regarder, si vous avez suivi, sinon je vous invite à aller voir la carte du battleur. On peut voir que donc il a cette table de travail ici avec les trois pieds, le désir de démarrer, le commencement, le démarrage au niveau avec tous les outils qui sont là, le denier, la coupe, etc. Hein, avec ce sac là hein, qui se trouve là, et puis cette fameuse baguette. Donc il est prêt à se mettre au travail. Donc c'est sous forme d'apprentissage dans le tirage de l'empereur. On va s'intéresser à la carte de roue de fortune ici. Alors évidemment c'est Rider-Waite, hein, j'ai pris, pas fait exprès. Roue de fortune. Alors c'est pas la roue de la fortune, hein, parce que beaucoup disent ça, c'est la roue de fortune. Faut pas mélanger. Hein. Donc elle sert tout simplement de déblocage. C'est un peu la loi du karma. Tu as travaillé, tu as le résultat. C'est un peu ça dans ces cas-là, quand elle est droite, là. Eh bien, tout simplement, elle invite à débloquer la situation pour, dans ces cas-là, hiérarchiquement, progresser du battleur à la carte de l'empereur. Voilà comment, à quoi elle sert à ce moment-là. Alors, elle sert à beaucoup d'autres choses, hein, évidemment, hein, roue de fortune, mais en tout cas, là, elle sert à débloquer la situation en disant, tu as été ça, tu vas devenir ça. Bon, on va devenir autre chose, hein, mais dans ces cas-là, c'est ça. Tu vas devenir ça, donc ce petit battleur qui démarrait, il va se retrouver à être empereur plus tard, et puis avec la carte de la justice. Alors la carte de la justice, vous pourrez l'interpréter comme bon vous semble, c'est-à-dire d'équilibre, un personnage équilibré, droit peut-être, un peu ferme également au niveau du travail. En tout cas, quelqu'un qui ne saura pas mentir, hein, voilà, ou tromper, ou trahir les autres personnes, puisque on dira que l'empereur plus tard sera quelqu'un de ferme. Alors on peut voir dans le passé que la période du battleur a été trouble. Alors parfois la lune, on peut la voir comme le foyer de la maison, mais le foyer mental également. Alors ça c'est important, carte très intuitive, hein, beaucoup de bleu, hein, beaucoup de bleu. Et donc dans ces cas-là, on dirait que dans le passé, il n'était pas. Il ne savait pas trop quoi faire, s'il était un peu dans le flou, en fait, au niveau de sa vie. Il y avait une forme de fatigue, de désir de ne rien faire, de ne pas avancer, de ne pas savoir ce que l'on voulait faire. Alors, du coup, ce passé qui était assez trouble, il a découvert cette forme de travail ou de passion, hein, afin d'avancer dans sa vie. On aurait pu marquer ça comme une révélation. Alors, la révélation, on l'aurait marqué tout simplement avec la carte du jugement, vous savez, comme un appel en fait, un appel en disant ah bah c'est ça que je veux faire comme métier. Voilà, ça sera un peu ça dans ces cas-là si on avait eu la carte du jugement. Donc voilà par rapport à la carte de l'empereur et sa progression. Alors il est toujours important de faire ces tirages, de pas trop faire de tirages non plus, ça sert à rien. Il y en a beaucoup qui disent qu'il faut en faire telle date, non, je vous invite à en faire, mais pour vous entraîner aussi, pour travailler, c'est comme ça que j'ai appris moi, à travailler sur les états d'esprit, par exemple, des personnes, et puis me rendre compte par la suite qu'effectivement, bah, ça tombait juste. Voilà pour l'empereur, j'espère avoir été assez clair dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, puis de liker, ça aide la chaîne un petit peu à prendre l'ampleur en fait, hein, tout simplement. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine, un peu plus biblique, hein, carte qui sera la carte du pape.